Presidente Anton Castillo. Reconstruisons le paradis. Je vais choper un véhicule. Tiens ça, ça devrait te mener à bon port. Merci beaucoup. Ça se présente mal. Ces guerriers s'en sortiront pas tout seuls. Ingénieur repéré. Un médecin. Buenas noches. Faut aller voir Aura. Putain!
char! Bordel!
pas ça! S'il vous plaît! Et il y a peut-être une petite chance que je me trompe. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Pitié ! Je gère. Tu peux me filer un coup de main ? Merci. Je pensais vraiment que j'allais y passer. De nada. Dahlia, je suis au zoo. Super. Je suis sur la Batidora, le gros manège qui tourbillonne. Ok, je vais te trouver. Avec Castillo, l'histoire se répète. Mon histoire. Yara s'est construite sur l'esclavage, comme avec le Viviro. Même si El Presidente est afro, Yaran, l'ironie de la situation lui échappe. Il y a des innocents là-bas, des gens qui vont à nos concerts. On en a fait un à Esperanza. Ça a causé une émeute.
Maria Marquesa, la ministre de la propagande à la con, nous a bannis. Et puis elle m'a enfermée dans son académie pour me griller la cervelle. Mais j'ai eu de la chance. Paolo m'a fait sortir. Il m'a dit de passer à autre chose. Mais je peux pas. Alors tu vas tourner le dos à tous ces gens? Avec Castillo, l'histoire se répète. Mon histoire. Yara s'est construite sur l'esclavage, comme avec le Viviro. Même si El Presidente est afro-Yaran, l'ironie de la situation lui échappe. Il y a des innocents là-bas, des gens qui vont à nos concerts. On en a fait un à Esperanza, ça a causé une émeute. Maria Marquesa, la ministre de la propagande à la con, nous a bannis. Et puis elle m'a enfermée dans son académie pour me griller la cervelle. Mais j'ai eu de la chance. Paolo m'a fait sortir. Il m'a dit de passer à autre chose. Mais je peux pas. Il reste des prisonniers là-bas. Dans des cages. À dormir dans leur merde, comme moi. Je suis pas capable de les faire s'évader. Toi, si. Sauve-les. Je reste ici, pour faire le guet. Je dois me dépêcher, ou des gens vont mourir. Il faut neutraliser cette alarme. Neutralisons cette caméra. Sage-parole del Presidente Anton Castillo. Les vrais Yaran savent qu'il n'y a rien de plus important que la famille. Je marche dans les traces de mon père, tout en perpétuant son rêve de liberté et de puissance pour Yaran. Un jour, quand je ne serai plus, c'est mon fils Diego qui marchera dans les pas. Bien qu'il n'ait pour l'instant que 13 ans, je perçois son temps. Castillo.
Quand je vous regarde, je vois l'avenir. Je vois le paradis. Antón Castillo. Qui est Clara Garcia? Qui est Libertad? Et d'où viennent les guerrieros? Je vais te dire. Chaque guerriero est un être défaillant. Il est temps de libérer ces personnes. Un vrai Yaman n'a pas honte du travail manuel. Avec nos mains, nous créons un miracle, le vivant. Avec nos mains, nous bâtirons des tours qui toucheront le ciel d'Esperanza. Et avec nos mains, nous éradiquerons les terroristes de Libertad qui menacent tout ce qui nous est cher. Thank you.
Un poignard perce le cœur de Yara. Cette lame n'est ni celle de l'avidité, ni celle de l'influence étrangère. Et ce n'est même pas celle de Libertad. Okay. Cette lame qui détruit Yara, la tolérance. Nous tolérons ceux qui sont différents de nous. Nous tolérons les opinions erronées. Nous tolérons l'insubordination aux lois et les perversions. La tolérance est un prétexte pour la faiblesse. Finissons-en avec la tolérance. Emparons-nous de cette faiblesse et arrachons-la de notre cœur. Ainsi, Yara pourra véritablement guérir. S'il te plaît, aide-moi! Ici, sois sympa. À l'aide. Allez, on se dépêche. C'est le moment. Vite. C'est une injustice pour les Yaran qui sont appelés à rebâtir le paradis. Oui, détache-moi. Ils sacrifient tout ce qu'ils ont pour notre... Courez. Ils allaient nous donner en pâture aux chiens. Gracias, gracias. Ils bénéficient d'une alimentation et de soins de qualité. Les camps sont une véritable épreuve. Et ceux qui ressortiront de ce système seront fiers du travail accompli. Ils paient pour leurs erreurs. Et nous leur en sommes grandement reconnaissants. Excuse-moi, tu peux m'aider? Pas question de mourir aujourd'hui. On se bouge, allez. Merci. Oh, détache-moi. Ils allaient nous envoyer dans allez, les camps de Paria. Gracias a Dios. J'ai bien cru que j'allais mourir ici. Sortez de là! Coño!
les clés. Mais je dois d'abord libérer tout le monde. Thank you.
Tout Yara doit savoir. Un chien. Talia, il n'y a pas que des cages. Ils torturent des gens à mort. Les cadavres, le sang,
C'est un vrai massacre ici. On doit arrêter ça. Fais sortir ces gens pendant que je monte la garde. Ainsi, Yara pourra véritablement guérir. Calme-toi. Va aller. Courez. Silvio. S'il vous plaît. On se bouge. Ne laissez pas Allez. Continuer à torturer les autres. Allez, on se dépêche. Je priais tous les soirs pour que vous veniez. Sauvez les autres. Où ils vont les envoyer dans les camps? Talia, les otages sont en sécurité. Super, mais ça suffit pas. Il faut montrer à Yara ce que fait Castillo. Montrer qu'on peut pas rester les bras croisés. Il y a des caméras de surveillance partout ici. Quelques images pourraient avoir de l'impact. Putain, mais ouais, Danny! On pourrait diffuser une vidéo! Bichot saura comment toucher le plus de monde possible. Je vais chercher la salle de contrôle. La vidéo doit être ici. Bon, la vidéo. Danny, ils envoient plein de renforts. Merde, j'ai pas fini le téléchargement. Défonce-les! On a besoin de cette vidéo. Thank you.
te prie. Allez, allez. Ennemi dans le ciel. Ça y est. Talia, c'est bon, la voix est libre et j'ai la vidéo. Je commence à comprendre pourquoi Clara t'aime bien. Maria pourra jamais dissimuler ça. T'inquiète pas, on mentionnera Libertad. Fais ce que t'as à faire, Talia. Ok, on se retrouve près de la statue d'Anton du côté des portes d'entrée. Ça vaut le coup. Tu verras. Fais-moi confiance, Dani.
Entendido? ¡Cúbranme! ¡Te cubrimos! ¡Attends! Je prends de la hauteur! Positivo! Frappe aérienne! Talia, mais t'es où, putain? Regarde, c'est le foutu zèbre d'Anton! C'est un cheval qui a été peint. Ouais, mais il va me rendre célèbre. Prends une photo. Dépêche! Prends cette putain de photo! Calme-le. Et je te bute direct. Les animaux m'écoutent.